On est où? On est aux confins de deux villes, au bout de Saint-Denis et au bout d'Aubervilliers. Alors je vous dirais, on trouvera tout à l'heure en marchant les traces, si elles existent, de cette frontière un petit peu théorique, mais on est dans cet endroit tout à fait qui semble perdu. Et pourtant, on va être, si vous revenez dans quelques années, ce que je souhaite, et si vous venez de temps en temps, vous verrez des transformations en permanence, on est au milieu d'une transformation. Donc regardez bien ce que vous avez, ce que vous voyez aujourd'hui, ça c'est pas ce que vous verrez demain. Et d'un seul coup, à un moment, on sera au cœur d'une centralité. Alors maintenant, un petit mot sur la plaine. La plaine Saint-Denis, il semblerait bien que c'était un lieu sacré pour les Celtes. Les Celtes avaient enterré leur mort à un endroit où aujourd'hui il y a la basilique de Saint-Denis. On sait bien que la religion catholique a réutilisé les lieux celtes pour implanter ces lieux de culte. Et ce territoire de la plaine était le lieu de passage pour toutes les processions, les pèlerinages et toutes les activités autour de la très puissante abbaye de Saint-Denis. On passe vite les siècles et l'industrie qui se développe. Paris trop petit pour les entreprises. Donc les entreprises cherchaient à se développer sans trop s'éloigner. Le RER n'existait pas encore. Et donc ces territoires disponibles au nord de Paris ont été rapidement investis par les entreprises. 700 hectares de zones d'activité, c'était la plus grande zone industrielle de ce type en Europe continentale. Imaginez bien que toutes ces entreprises avaient besoin de main-d'œuvre et on a vu arriver ici des couches successives de personnes. Ces gens arrivent de tous les côtés, aujourd'hui du monde entier, et il leur appartient à eux de construire ensemble cette histoire de la plaine. Donc on n'est là que dans un processus qui se poursuit. On était un peu dans la situation d'un terrain fertile, mais qui n'était plus ni jardiné ni arrosé. Et on se propose d'aller faire un tour dans le quartier Cristino Garcia. Le premier groupe qui vient de partir ira plutôt dans le quartier du Landy, qui est le pendant du quartier Cristino Garcia à Aubervilliers. Et de notre côté, on sera sur la commune de Saint-Denis. Donc il s'agit de deux quartiers qui font l'objet d'un seul et même projet urbain, un projet de rénovation urbaine financé par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, qui sont tous les deux issus de l'histoire industrielle de la plaine Saint-Denis, qui ont été peuplées par des migrations du début du XXe siècle, principalement d'origine espagnole, en tout cas pour la partie Saint-Denis, ce qui fait que cette partie dionysienne du quartier a été appelée par ses habitants la Petite Espagne. Mi infancia son recuerdos de un patio de vecindad en un suburbio maldito de una espléndida ciudad y en una de sus callejas que llaman Ampas Bois, señalado con el 4, mi patio de vecindad. Ensuite, la désindustrialisation de la plaine est arrivée à partir des années 70. Il faut imaginer en fait qu'entre 1850 et 1900 à Saint-Denis, on gagne 45 000 habitants. On était à 15 000 habitants en 1850, on est à 60 000 en 1900. Ça veut dire qu'il va falloir très rapidement loger les personnes qui viennent travailler dans les entreprises ici. On va avoir plusieurs formes d'habitat, dont le quartier Cristino Garcia qu'on va visiter, qui est une forme d'habitat autoconstruit. Une des problématiques, c'est la question du relogement des gens dont les habitats sont détruits. Et on se rend compte qu'on a finalement de rares relogements qui se font sur le quartier pour plusieurs problématiques. La première, c'est qu'on a, c'est des questions de temporalité. C'est-à-dire qu'au moment où les gens doivent quitter leur logement, le logement social n'est pas forcément encore construit. Donc on ne peut pas forcément proposer aux gens des relogements sur le quartier. Ensuite, c'est quand même des gens qui ont souvent de faibles revenus et le logement social neuf coûte cher. Et donc, même si le logement social est disponible, les gens n'ont pas forcément les ressources pour pouvoir accéder au logement social sur le quartier. Donc, on se retrouve finalement avec, notamment pour les gens qui habitaient ici, une perte de centralité, puisqu'ils seront relogés ailleurs. Et donc, finalement, une amélioration des conditions de vie du quartier, du cadre de vie, des transports, qui ne va pas bénéficier à une partie de la population qui habitait ici avant.
Et enfin, un des derniers points, c'est qu'il y a quand même une injonction à la mixité sociale dans les projets en rue et programme national de rénovation urbaine. On a souvent cette injonction de mixité sociale sur les quartiers les plus populaires. Or, ce n'est pas forcément les quartiers les plus ségrégés. Les quartiers les plus ségrégés sont quand même les quartiers de riches en règle générale. Et donc, forcément, on se pose aussi sur ces quartiers qui deviennent extrêmement bien placés au niveau de la métropole parisienne, la question du risque de gentrification qui, en tout cas, est une représentation pour les habitants et une interrogation importante pour les habitants de ces territoires. C'est le dernier bastion, c'est le dernier bidonville qui résiste et qui a échappé jusqu'à maintenant au discours de Grenoble. Suite auquel la politique française visait à éradiquer encore une fois, évacuer toutes les occupations illicites. La France se retrouve de nouveau avec cette réalité qu'on préfère ne pas voir et qu'on préfère repousser, voir sur la commune voisine, sur la ville d'à côté ou peut-être même dans le pays d'origine. Les villes ont eu le même réflexe que l'État en fait. Elles ont envisagé ce développement des villes comme temporaire. Ne pouvait pas durer, et puis dans les faits ça s'est installé sur 10, 20 ans, et donc il y a eu progressivement une intégration de ces bidonvillois. Mais il n'empêche que les intéressés ne cessent pas de voir ce lieu-là comme un lieu d'habitat provisoire, dont l'idée est évidemment d'en sortir. Ce terrain-là, par miracle, va dire le pasteur du terrain que vous allez rencontrer tout à l'heure, par accident, a été oublié. Les personnes habitent depuis plus de 5 ans, donc elles sont dans ce sas d'intégration et on voit bien les résultats parce que malgré les difficultés administratives, les gens ont quand même réussi à scolariser quelques enfants. Il y a une entraide forte dans ces quartiers-là et dans ces lieux-là qui permet aux gens de faire face aux premières difficultés quand ils arrivent ici, donc dans des réseaux d'entraide en fait. Noi în luna aceasta, în 25, avem probabil ultima sentință de tribunal. Le 25 novembre, c'est peut-être la dernière réponse du tribunal qui risque d'être défavorable. Suntem 175 de persoane plus 118 de copii aici. Donc, 175 adultes et 118 enfants habitent ici. Noi am fost uniți, am fost frați, ca frații, în Hristos aici. Et comme des frères en Christ. Dar riscul nostru din 25 poate să fie să dormim pe trotuare, să dormim prin parcuri. Mais à partir du 25, on risque de se retrouver sur les trottoirs ou dans les parcs. Pentru noi deja a început să fie un lucru pe care ne frământă și noaptea și ziua. Pour nous, c'est un stress permanent de nuit et de jour. Quand on sait que sur le territoire de la ville, on a des bâtiments qui potentiellement menacent ruine ou il peut y avoir des risques d'incendie, on est en plein hiver, il fait moins de 10 degrés, est-ce qu'on évacue et pour mettre des familles dehors ou est-ce que finalement on prend le risque de les laisser et qu'il puisse y avoir un incendie, etc. Le risque incendie est censé être prévenu et des formations sont censées être mises à disposition par les pompiers, donc c'est la responsabilité légale sur leur territoire et malheureusement, sur d'autres bidonvilles ou sur d'autres territoires, il y a aussi cette peur de voir venir des administrations type pompiers pour les aider à réduire le risque, parce que c'est suivant ces mêmes arguments-là qu'ils peuvent être expulsés aussi. On remarque l'ambition des personnes de garder leur chez-soi, malgré tout, propre, accueillant, très très chauffé en hiver, parce que il se chauffe avec des poêles à bois. Il y a des bidonvilles qui deviennent un fragment de ville et ce n'est pas le cas en France. Comment le transformer en autre chose? Nous, on pourrait, avec notre savoir-faire, travailler main dans la main avec l'habitant. L'appel des habitants d'ici aux professionnels que nous sommes, c'est vraiment faire paraître bidonville comme une thématique de travail.
Je ne sais plus comment cette place-là, mais c'était là où il y avait les deux immeubles, le Clément Adair. C'est là où je suis né, quoi. En fait, je suis arrivé là, je suis arrivé en 82, j'avais 2 ans et demi. Ça fait que cet endroit-là, c'est un monument. Comme on va dire, comme les gens ils vont à Paris, regardent la tour Eiffel, les touristes qui viennent, nanana, bah moi, ici, c'est un monument symbolique pour moi. Jusqu'à que ces immeubles, ils nous ont expulsés, bah, voilà quoi. Ils nous ont expulsés, bah, je ne sais pas quel prétexte ils ont sorti, comme quoi que l'immeuble allait, comment ça s'appelle, il s'effondrait ou il s'enfonçait. Mais vous utilisez un mot qui est fort, c'est relogé. Ouais, mais ils nous ont relogé, on va dire ça, ils nous ont relogé dans des immeubles qui sont pas mieux que le Clément Adair. Pas mieux que le Clément Adair, parce que c'est les mêmes immeubles en fait. Donc faut pas qu'ils nous disent qu'ils nous ont relogé dans des trucs encore mieux, c'est les mêmes immeubles. En fait, les problèmes, ils nous ont mis des immeubles, comment ça s'appelle, des fenêtres à double vitrage, c'est tout. Renforcer les portes, mettre des interphones, c'est tout ce qu'ils ont fait. Mais nous, franchement, notre vie, elle était là, on sentait trop bien là. On continue à rénover, effectivement, on a changé les 200 fenêtres, on a mis des nouveaux châssis, donc on a réglé le confort thermique, exactement comme on a construit il y a 30 ans. En dépossédant les habitants, et je répète, pour moi c'est très important aussi, en dépossédant le tissu économique dans lequel le quartier est, de toute capacité d'intervention, de travail, de participation, de profit. Voilà, où sont les micro-entreprises dans les quartiers? On aurait dit, il y a des électriciens dans les quartiers, il y a des plombiers, ils sont absolument toujours exclus des processus de rénovation. C'est très important ça. Peut-on imaginer de faire autrement tant que, même pour les rénover, on reste dans ce système industrialisé, centralisé, français? Les nouvelles fenêtres ont été installées par une entreprise qui a eu des marchés pour 20 000 fenêtres. Pourquoi pour rénover un immeuble, pourquoi est-il inimaginable aujourd'hui de ne pas faire appel, puisqu'il y a 300 fenêtres, d'abord à des entreprises locales, qui n'ont peut-être pas même chassé d'ailleurs d'une fenêtre à l'autre, mais qui chacune prendra une part du marché. Pourquoi sur ces chantiers-là de rénovation, pourquoi c'est l'exception que de pouvoir embaucher des jeunes du quartier à former? Je veux dire, peut-on imaginer un système participatif en gardant toujours un système de rénovation, une économie de la construction qui reste, elle, hors sol? Donc c'est vrai qu'il peut y avoir une tentation de construire vite et sans réflexion préalable. C'est ce qui s'est fait dans les années 60, me semble-t-il, mais on va en discuter. S'il n'y a pas de réflexion sur l'urbanisme, hein, on dit... c'est Zerfous qui a construit le grand ensemble. On dit que sa réflexion urbaine, c'était que le chemin de rue soit fait de telle façon qu'il puisse construire deux immeubles en même temps avec la même rue. Et coûter moins cher. Donc, c'est pas forcément la meilleure des réflexions urbaines. Enfin, je parle sous l'autre contrôle, mais ça me paraît un peu compliqué. Sans réflexion sur l'accès aux services publics, sans réflexion sur l'accès au transport, sans réflexion sur l'accès à l'emploi, qui est l'activité économique, et on a créé ce territoire, pourtant qu'il y a beaucoup d'atouts, mais où effectivement il n'y avait aucune réflexion. Donc moi j'ai très peur qu'on soit retenté de faire ça. Voilà, plusieurs milliers de cases ont été construites là-dessus. Moi, j'ai fait un travail d'observation de tout ça. J'ai interrogé des acteurs formidables, qui m'ont aussi raconté l'échec in fine d'un système de production qui a produit massivement et qui a répondu aux besoins et qui s'est arrêté pour des enjeux politiques, des enjeux humains. Mais aussi, sans doute, la fin d'une époque, c'est que les usages changent, hein, et que tout ça a été inspiré d'un travail d'ethnologue à la base et que ça ne correspond plus aux besoins. Par contre, la case 6, finalement, le travail de l'architecte, ça a été d'assembler à la fois l'économie, la structure, la technique et l'usage dans un objet. Hein. Un objet qui était structurellement évolutif. La filière était en terre stabilisée avec du ciment. Ça vient de plus loin, ça vient justement d'une forme d'architecture participative à San Fatih, construire avec le peuple, qui est le récit d'un échec. La modestie de l'urbaniste qui se trompe toujours.
2014, c'est un retournement. Je pense qu'on ne l'a pas encore vu sur le projet urbain. 2014, c'est la fin de la capacité des collectivités locales à investir. C'est un choc monumental dont on n'a pas encore vu l'effet. Ça veut dire qu'en parallèle d'une crise de société, on parle de co-construction. Moi, j'ai envie de parler de prise de pouvoir aussi. De qui ? Des habitants, qui sont quand même les utilisateurs premiers de la ville qui est en train de se faire. Hein, et c'est ça qui est en train de se retourner. On a un État et des collectivités locales qui ne savent plus faire. C'est-à-dire qu'on s'est mis dans des procédures. On a parlé du temps long, etc. etc. Le temps perdu, il n'est pas sur la concertation. Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Le temps perdu, il est sur les procédures. Il est sur le réglementaire. Il est sur le dialogue entre les différents services de la même collectivité. Le temps perdu, il est là-dessus. Oui. Il y a une chose acquise quand moi je travaille, c'est que je n'habiterai pas là. Donc comment on fait ? Est-ce que c'est à moi de décider ce que je vais faire là ? L'équité urbaine en Seine-Saint-Denis vous a conduit à vous interroger aujourd'hui sur la possibilité de passer du mal logement au bien bâtir. Alors que nous clôturons également les journées mondiales de l'urbanisme 2014, organisée par la Société française des urbanistes, ces derniers jours ont été un moment privilégié pour mettre en perspective le devenir des villes et des territoires. Il nous faut résorber l'habitat indigne par une approche globale du traitement des quartiers et je me réjouis que les associations professionnelles mènent à nos côtés de telles réflexions. Nous avons besoin de votre expertise.